nouvel opus de la série Liber Mundi avec Charlie Sanson. Charlie, bonjour. Bonjour. Alors, nous avions déjà parlé de Lunel, nous avions déjà parlé de Rennes-le-Château. Donc, on va continuer d'explorer les sites étranges et mystères dans le sud de la France, publiés aux éditions des Trois Spirales, avec un sujet, j'ai envie de dire, presque fondamental pour connaître cette belle région du Languedoc, Villeneuve-les-Maguelones et sa cathédrale. Alors, peux-tu nous... C'est-à-dire, c'est pas Villeneuve-les-Maguelones, ah. C'est Maguelone. Maguelone. Villeneuve est né longtemps. Bien longtemps après. Bon, alors là, tu vas nous donner quelques éléments, justement, pour donner le cadre de ce... de cette histoire qui est aussi pleine de mystères. Voilà. Alors, Maguelone, d'où vient ce nom? Alors, Maguelone, d'abord, c'est un îlot volcanique qui est carrément entouré d'eau, à l'époque avant notre ère chrétienne. C'est un îlot volcanique et qui est devenu pratiquement une île cathédrale. Donc, quand on va de Palavas via Maguelone, on a sur la droite l'étang de l'Arnel. L'étang de l'Arnel, c'est un drôle de nom, mais on l'expliquera dans l'historique, qui vient de l'évêque Arnaud. L'évêque Arnaud qui a fait développer Maguelone, on peut dire, avant le Moyen-Âge. Donc, c'est un îlot qui est volcanique, qui est un peu en marge de la terre. Il forme, on n'y va qu'en bateau. Et cet îlot avait une position stratégique, parce que la Méditerranée était quand même, à l'époque préhistorique, était quand même très habitée, très fréquentée. Il y avait les Ligures, les Ibères, les Tectosages, les Volques qui habitaient par là, qui venaient, et petit à petit, avec cet îlot, il y a eu la possibilité que des bateaux viennent accoster. Et c'est devenu un port. C'est devenu un port qui a pris le nom de port sarrasin. Alors je me dis, c'était les Sarrasins, mais le mot sarrasin est équivoque. On ne sait pas si ce sont des Arabes, ce qu'on l'a dit souvent, si ce sont des Berbères, mais les Sarrasins à cette époque-là avaient surtout une réputation de bons commerçants. Et il y avait toutes les communautés, qui voyaient les Phéniciens par exemple, qui passaient au large et qui venaient commercer. Et à Port-Sarrasin, il y avait un commerce qui s'est fait très longtemps, avec toutes sortes de personnes différentes qui cohabitaient et qui avaient, un seul intérêt. C'était pas de se battre, c'était de gagner de l'argent. Voilà comment, on peut dire, est né Maguelone. Donc Maguelone, le nom, évidemment, peut venir de deux sources. Ou, si on prend l'astrologie, là ce serait trop compliqué de rentrer dans les détails, ça peut venir de Vénus, pour la beauté, et ça peut venir de Madeleine. Marie-Madeleine, avec les pleurs, le côté vraiment tragique d'un lieu. Voilà comment on peut situer Maguelone au début. Mais avec l'idée qu'on pense peut-être que les Marie-Madeleine auraient débarqué à Maguelone ou pas du tout ? Alors là, le problème des Saintes-Marie, c'est différent bien sûr, il est certain que quand, à la prise de Jéricho, et même avant, puisqu'on a commencé à avoir des gens qui ont dû émigrer de la Palestine parce qu'ils refusaient le joug de l'Empire romain, ces gens-là, il y a eu beaucoup d'émigrations de gens qui ont été chassés en 68 avant notre ère. Il y en a eu beaucoup en 70 lors de la prise de Jéricho, en 40 plutôt, lors de la prise de Jéricho et en 70 lors de la prise de Jérusalem, la destruction du temple de Jérusalem par Titus, dont des gens ont été obligés de fuir et plus que ça, on les a chassés. On les a chassés de chez eux, il fallait qu'ils prennent la Méditerranée, et ils n'allaient pas aller vers les côtes de ce qui est devenu l'Italie, bien sûr, puisque Rome était à côté. Donc, logiquement, ils montaient vers le haut de la Méditerranée, et ils aboutissaient sur les grandes plages du golfe du Lion. Les grandes plages du golfe du Lion, qui s'étendent avec le sable fin
depuis la Camargue, on peut dire jusqu'à Près-Narbonne encore. Mmh. Donc c'était une région qui était vraiment faite pour recevoir des immigrés, d'autant plus que nous savons, on s'est intéressé à Lunel, qu'on sait qu'il y avait des colonies juives à Lunel 135 ans avant l'ère chrétienne. On a trouvé des vestiges datés par l'archéologie. Donc, il y avait à Brussin, il y avait toute une communauté de juifs qui s'était amassée, et à mesure qu'il arrivait des immigrés, cette communauté juive a créé quand même une culture très spécifique de la région, depuis la Camargue jusqu'à Lunel. Alors, les gens qui partaient de Palestine, ils ne partaient pas sur des coques de noix, bien sûr. Il y avait Joseph d'Arimathie, qui était un grand armateur juif, on peut dire un collaborateur, il collaborait avec les Romains, puisque Ponce Pilate était un ami, et il avait obtenu de Ponce Pilate de pouvoir prêter son tombeau pour ensevelir le corps de Jésus après la crucifixion. Et Ponce Pilate avait accepté que le corps soit mis dans ce tombeau. On connaît la suite, bien sûr. Et Ponce Pilate, pour prouver son ami, à son ami d'en arriver ainsi, son amitié, ce serait lui qui lui aurait offert la coupe qui a servi le soir de la scène en transmutation du vin en sang. Alors qu'avant, il y avait le noce de Cana, c'était l'eau en vin, puis le vin en sang. On voit tout ce processus symbolique et, on peut dire, chimique ou alchimique. Donc, nous avons tous ces migrants qui montent du côté de la Camargue, mais pas la Camargue elle-même, qui était île hospitalière, mais à gauche, avec Lunel, et un endroit où ils étaient sûrs d'avoir le gîte et le couvert. Donc je pense que c'est intéressant de savoir que quand les grands bateaux de Joseph d'Arimathie arrivaient, ils ne pouvaient pas approcher de la côte. C'est une côte, les fonds ne sont quand même pas suffisants pour des navires de haute mer, puisque Joseph d'Arimathie allait jusqu'à l'Angleterre, etc. Donc ils arrivaient sur ce lieu-là et ils se tenaient au large. Actuellement, quand un bateau de guerre, par exemple, arrive au large de Palavas et que les touristes peuvent aller le visiter, le bateau n'approche pas. Mmh. C'est des barques qui viennent prendre les touristes, les amènent et les ramènent. Et là, Joseph d'Arimathie certainement faisait pareil. Il a laissé ses vaisseaux un peu au large et des frêles bâtiments, des barques sont arrivés et les Saintes-Maries ont certainement accosté à partir d'une petite barque, mais devenue du bateau qui n'était pas loin. Je crois que là, on peut non pas démystifier la légende, mais éviter les moqueries de ceux qui disent « Ah, elles ont traversé sur une petite barque, c'est pas possible, etc. » Donc c'est probable, mais en même temps, alors il faudrait... Elles peuvent pas avoir débarqué au Sainte-Marie-de-la-Mer. Si, elles auraient pu débarquer à deux endroits différents. Ben, toute la côte est du sable fin. Ça dépasse Palavas, ça dépasse Maguelone, ça va plus loin. Mais à côté de Lunel, elles avaient le gîte et le couvert. Il y avait une colonie très importante. Puisque c'est à Lunel que cette culture juive a permis de créer les premières universités, l'université de Montpellier a été créée par l'arrivée des écoles de Lunel. C'est comme ça que ça a commencé. Tient. Il y a un fil. Et on peut dire que la région s'est développée à partir de Lunel, d'une culture qui était faite par les émigrés venant de Palestine, chassés par les Romains. Voilà un peu la base de l'histoire. Non, à Maguelone, quand on se promène, là on va voir des images, on voit des paons en liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient, pourquoi il y a ces animaux, ça revient, il y a une légende, est-ce qu'il y a une raison? La légende de Maguelone, lui, à Maguelone, c'était avant la chrétienté, donc. Et puis quand la chrétienté est arrivée, il y a eu quand même l'entente entre les chrétiens et les sarrasins. Les Sarrasins qui nous ont amené une culture qui n'était pas encore l'islam, bien sûr, qui n'existait pas, mais où il y avait déjà les soufis. Et à Maguelone, depuis toujours, tant qu'on a des documents qui en parlent, il y a toujours eu cette culture soufie qui a pour base le symbolisme du pan. Et à Maguelone, encore aujourd'hui,
il y a des plumes de paon dans la cathédrale, à côté du crucifix, et il y a des paons dans le jardin de Maguelone. Mmh. Le symbolisme du paon a été conservé jusqu'à notre 21e siècle. Alors évidemment, les soufis sont ceux qui ont fait le côté des derviches tourneurs, après, c'est né là, puis c'est allé en Turquie. Les soufis avaient une culture très particulière. Pour eux, le créateur dans le cosmos voulait que l'esprit prenne une forme. Et pour lui donner une forme agréable, il a mis l'esprit dans le corps d'un paon. Le paon, donc, était devenu le symbole de la beauté, de la culture, etc. Et puis le créateur, voulant faire plaisir à sa créature, a pris un miroir et lui a fait voir ce paon. Et le paon, quand il s'est vu, a été vraiment ébloui par sa beauté et tellement qu'il en a pleuré. Il en a pleuré et les larmes du paon sont tombées sur la terre et c'est ainsi qu'est née toute l'humanité. Voilà la belle légende du paon. Et donc, où les soufis étaient nombreux à Maguelone, ils ont apporté leur légende, ils ont apporté les paons, et il y en a encore. Donc, rentrons dans le monde des légendes que tu affectionnes. Alors, dans le livre, tu développes le sens alchimique de la légende de la belle Maguelone malheureuse en amour, qui aurait donné le nom à l'église. Peux-tu en donner quelques éléments de cette histoire? Alors, la légende, c'est la légende de la belle aux bijoux envolés. Alors, je l'ai noté pour ne rien oublier, bien sûr. Et c'est l'histoire, on peut dire, de Maguelone et de Pierre de Provence. Donc, Maguelone est amoureuse de Pierre de Provence et après des péripéties qui sont intéressantes parce qu'on a là un conte à tiroir, comme les contes qu'on a du côté... on peut dire les mille et une nuits, tout ce côté-là, quoi. Hein. Ce sont des contes orientaux, avec des tiroirs, bien sûr, et ça repart. Donc c'est un conte à tiroir, c'est un symbolisme qui correspond aussi aux lames du tarot. On retrouve les lames du tarot dans un symbolisme qui serait trop long à expliquer, mais qui était seulement intéressant également. Et ce conte, il a été édité il y a très longtemps, on ne sait pas qui l'a écrit, bien sûr. On ne sait pas d'où vient l'origine de cette histoire. Il a été édité à Lyon en 1477. Donc ça remonte au 15e siècle qu'on a édité ce conte. Et bien sûr, dans le conte, on se rend compte que nous avons Marie-Madeleine, avec les pleurs. Nous avons les Saintes Marie, avec les voyages, puisque c'est vraiment un conte ésotérique avec de nombreux voyages initiatiques. Et bien sûr, nous avons là toute l'astrologie, et on y retrouve le soufisme également, avec Maguelone, qui a perdu Pierre, et qui lui est parti, qui a été enlevé. Les enlèvements se faisaient beaucoup, les barbares, etc. Et elle se retire sur cet îlot. Elle se retire sur cet îlot. Et là, elle fonde un hôpital. Quand on dit un hôpital, c'était 14 chambres. Hein. Enfin, elle reçoit les malades, etc. Et c'est là qu'en recevant les gens qui sont recueillis en mer ou vraiment démunis complètement, elle retrouve Pierre de Provence, et il se retrouve à ce moment-là. Donc c'est un conte qui est très beau, qui est très ésotérique, un symbolisme extraordinaire, et vraiment je pense qu'il est intéressant de le lire vraiment, de le lire selon la version que j'ai eue, qui est de l'origine de 1477. Alors, pour revenir à des éléments plus historiques, on est d'accord que Maguelone est une cathédrale romane, je crois, c'est ça ? Tu as quelques éléments là-dessus, sur la symbolique romane et sur l'histoire de la cathédrale? C'est-à-dire, la cathédrale, elle a été construite, on peut dire,
à une époque où c'était le début de la chrétienté, pratiquement. Parce qu'avant, il y avait quand même toute cette vie dont j'ai parlé, au nord du golfe du Lion. Et ce qui est curieux quand même, c'est qu'on a un berceau de civilisation au nord du golfe du Lion, dont on ne connaît pas d'ailleurs l'origine, pourquoi on l'appelle le golfe du Lion. Ça, c'est un autre problème. Mais on a là le delta du Rhône, avec une ville qui est Arles. Et de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons un autre grand delta, c'est le delta du Nil, avec Héliopolis. Donc ça se fait face à face, ça se répand, et on verra que c'est peut-être pas par hasard qu'il y a des liens entre les deux. On passe sur toute une période qui a été une période prospère, où le port reçoit beaucoup de bateaux, il reçoit les Phéniciens, il reçoit les Grecs, etc. Et port sarrasin est prospère. Et à un moment donné, donc c'est là qu'il faut voir les dates, bien sûr, c'est au 8e siècle que, descendant dans le sud de la France, Maguelone est tout le côté là, est conquis par les Visigoths. Les Visigoths deviennent donc les maîtres de cet îlot, avec leur roi qui s'appelle Wamba. Et donc, Wamba amène tout le côté chrétien un peu hérétique des Visigoths. Il y a les Sarrasins et les Soufis, il y a les Pans déjà, et tout cela fait bon ménage. Mais comme c'est le 8e siècle, il y a aussi les chrétiens. Et on a la preuve qu'à cette époque-là, les chrétiens, les Visigoths, les Sarrasins font surtout du commerce et chacun a la liberté de sa religion. Il n'y a pas de problème. Et ça dure pendant pas mal de temps. Ça dure pratiquement jusqu'en 837. Et là, c'est une date importante. Jusque-là, Maguelone s'est développé. Ça a été un cheminement heureux pour les gens qui étaient à Maguelone. Mais là, en 837, les Sarrasins, toujours eux, qu'on les appelle arabes ou berbères, on ne sait pas, ont conquis une partie de l'ouest de la France et sont montés jusqu'à Poitiers. Et l'histoire réelle nous dit bien que là, à Poitiers, ils étaient trop loin de leur base, l'intendance suivait mal, et c'est eux qui ont décidé de battre en retraite. Est arrivé Charles Martel, qui les a suivis, les a poussés dans la retraite, et a dit « Je suis le vainqueur de Poitiers ». Bon, ça c'est l'histoire qu'on peut prendre dans un sens ou dans un autre, mais les Sarrasins donc, sont descendus, et Charles Martel, en grand vainqueur, a dit « Je vais les pourchasser jusque dans le Languedoc ». Parce que toute la partie du Languedoc à cette époque-là était occupée par le Sarrasin. Si on regarde toutes les musiques, tout le folklore, toute la culture de base du Languedoc, il y a vraiment une grande influence, on peut dire maghrébine en quelque sorte, dont les Sarrasins étaient là, et Charles Martel, bien sûr, il veut complètement conquérir le Languedoc. Les Languedociens, qui s'entendaient bien avec les Sarrasins, n'ont pas accepté. Ils ont repoussé, avec les Sarrasins, ils ont repoussé Charles Martel. Et cet homme qui était là pour faire régner la justice, la chrétienté, etc., quand il a vu ça, eh bien, il a brûlé Nîmes, Agde et Béziers. Complètement. Il a tout rasé et les habitants de l'îlot de Maguelone, on les évalue à peu près à 5000, ont été chassés. Il a fallu faire table rase, tout est parti. Tout est parti et ça a été, bien sûr, à la suite, ça a été trois siècles complets d'abandon. Trois siècles d'abandon après, on peut dire, l'intervention de Charles Martel. Donc ça commence là à être la tragédie de Maguelone. Tout a été rasé. De cette époque-là, il reste que la chapelle Saint-Augustin qu'on voit sur le côté droit quand on rentre dans ce qui reste actuellement. Et ça a duré longtemps, cet abandon. Et en 1030, un évêque, l'évêque Arnaud, prend possession pour la chrétienté de Maguelone, et lui,
il reconstruit, il fait quand même un aménagement et il arrive à recréer une petite ville et faire des fortifications surtout, parce que là c'est devenu dangereux. Alors, l'œuvre la plus importante de l'évêque Arnaud, c'est qu'il a construit un pont sur l'étang qui sépare Maguelone de la terre, là où est née, après, la ville neuve de Maguelone. Donc il a construit un pont, et depuis, l'étang est devenu l'étang de l'Arnel, du nom de l'évêque Arnaud. Donc à partir de là, est reparti. Le pont permet d'avoir des liens avec la terre, bien sûr, et une autorisation importante est donnée à cet évêque. Il a le droit de battre monnaie. C'est-à-dire, il bat monnaie, il y a la monnaie de Maguelone à cette époque-là, aux armes de l'évêque Arnaud. Et, bien sûr, ça va comme ça jusqu'au XIIe siècle. Alors, au XIIe siècle, bien sûr, tout va encore changer. Et il y a des mouvements dans la chrétienté qui font que Maguelone redevient un peu le refuge des papes qui sont en difficulté à Rome. Ah oui, c'est là où on voit tous les cercueils, c'est des papes à l'intérieur, alors, c'est ça? Alors, il y a plusieurs papes qui se réfugient à Maguelone. On cite Calliste II, Innocent II, on a également Alexandre III, et ce sont bien sûr des papes qui se réfugient là. Maguelone prend de l'importance, et les fortifications sont renforcées. Plus il y a de personnalités, plus il faut les protéger. Donc, tout cela se développe d'une façon quand même entraînant de la richesse. Mais tout va changer encore sous François Ier, au début du XVIe siècle. Alors là, c'est un peu, on pourrait dire que c'est presque un gag. Les chanoines qui étaient dans Maguelone, malgré le pont, se sentaient isolés. Et la ville de Montpellier s'était développée. Parce que Montpellier est une ville qui est née qu'en l'an 1000. Les premiers documents officiels datent de 985. Donc avant, il n'y avait rien. Mais là, Montpellier s'est développé. C'est devenu quelque chose d'assez important. Et ces pauvres moines à Maguelone, ils s'ennuient. Ils savent qu'à Montpellier, il y a quand même des fêtes, il y a des réjouissances, il y a de l'animation. Alors, ils obtiennent l'autorisation de transférer l'évêché à Montpellier. Et comme prétexte, ils disent que l'îlot est insalubre, qu'il y a beaucoup de moustiques et qu'il faut transférer à Montpellier. Et le roi donne son autorisation, ainsi que, on peut dire, le pape, dont l'évêché est transformé. Il va à Montpellier, carrément. Alors là, il faut quand même citer, au XIVe siècle, un évêque de Maguelone, qui est quand même un personnage intéressant, c'est Béranger Frédol. Béranger Frédol est un évêque qui a fait partie du tribunal qui a jugé le dernier grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay. Les trois cardinaux, dont Béranger Frédol, condamne Jacques de Molay et ses compagnons à la prison à perpétuité, puisque le pape avait suspendu l'ordre du Temple, mais ne l'avait pas supprimé. Donc, ils sont condamnés à la prison à perpétuité, ce qui vexe le roi Philippe le Bel, qui les fait brûler le soir même. Voilà comment ça s'est passé à cette époque-là. Donc, à partir de là, on peut dire que Béranger de Frédol était un prélat avec une renommée. Et comme il était évêque de Maguelone, il frappait monnaie, puisqu'on a vu qu'ils avaient le droit. Donc il frappait monnaie, et on a encore dans des musées des pièces de monnaie de Béranger Frédol, avec d'un côté de la pièce
les armoiries, les armes de Béranger Frédol, et sur l'autre face, il y a un croissant de lune avec la devise « À Mahomet, le grand prophète ». Et ça, c'est authentique. Ah oui, c'est impressionnant, oui. C'est authentique, lui, c'est ça, ça a été toléré, parce qu'il faisait de la concurrence. Il battait mon nez, il avait le droit. Il avait le droit, c'était libre. Non, il... Mais oui. Béranger Frédol n'était pas naïf. S'il a fait ça, c'est qu'à cette époque-là, on dit bien que la monnaie arabe avait beaucoup plus de richesse, était plus réputée que la monnaie européenne. Donc, en faisant croire que c'était la monnaie arabe, ces pièces de monnaie prenaient de la valeur. Voilà. Et c'était en or ou en argent à l'époque ? Hein ? C'était en or ou en argent ? D'argent. D'argent, hein. Et, oh, il y avait peut-être un peu d'or. Enfin, c'était des métaux. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que Béranger Frédol, donc, a laissé un grand souvenir dans l'histoire de Maguelone. Et quand on est, quand on monte dans le cœur de la cathédrale de Maguelone, si on redescend par la droite, la tombe qui est en bas, c'est la tombe de Béranger Frédol. Puisqu'ils avaient obtenu du pape que ceux qui seraient inhumés dans la cathédrale aurait la vie éternelle, etc. Ah oui, plus rapidement que les autres. Donc il gagne. Il y a beaucoup de prélats inhumés dans la cathédrale de Maguelone. 1632, Louis XIII, donc, fait détruire la cathédrale, qui avait été reconstruite, les fortifications, en grande partie. Et ce qui est embêtant, pour quand même le côté honnête de cette époque-là, c'est que les pierres de cette cathédrale ont souvent servi, notamment pour la construction du canal du Midi, c'est plus tard. Et le roi Louis IX, lui-même, a pris pas mal de pierres tombales de Maguelone pour renforcer les fortifications d'Aigues-Mortes. Donc on voit que tout a été... C'est un pillage. C'est un pillage vraiment de Maguelone qui a duré très 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 longtemps et qui dure encore peut-être. Après la Révolution, Maguelone est vendue à des particuliers. Ah, c'est énorme ça. Des, donc, la Révolution, elle, donc. Elle est déconsacrée, c'est plus une église. Et, c'est un bien de l'évêché. C'est un bien de l'évêché. Donc, ouais, qui est... un bien de l'État. De l'État, ok. Et ça a été vendu à des particuliers. D'accord. Donc elle reprend son statut d'église combien de temps après? Alors comment ça se passe? Dans cette époque-là, celui qui a été le premier, ça a été le plus connu, qui a vraiment été le plus connu de, des propriétaires de Maguelone, ça a été en 1852, Frédéric Fabrège. Ah oui. Frédéric Fabrège était un homme intelligent, cultivé, honnête, et il a... Il a fait beaucoup de restaurations. Il a fait beaucoup de restaurations, c'est un homme fortuné, bien sûr, et il a, notamment, il a un peu arrangé ce qu'il a pu de la cathédrale, et on peut dire que ça a duré jusqu'en 1875. 1875, les héritiers de Frédéric Fabrège ont continué la conservation, on ne peut pas dire la rénovation, c'était pas violer le duc, donc on voit ce qu'il en reste actuellement, malheureusement. Hein. Donc ils ont continué et en 1909, ils ont donné l'îlot de Maguelone, on peut dire à l'évêché de Montpellier.
Alors, Charlie, quand nous arrivons à l'entrée de cette église romane, nous observons ce qu'on appelle un tétramorphe, qui est sculpté en haut de la porte d'entrée. Alors, peux-tu nous dire exactement qu'est-ce que c'est que ce tétramorphe? Et celui-là, il a des choses particulières. Alors là, c'est sur le linteau, ce tétramorphe, c'est du marbre gris. Ça a été sculpté sur du marbre gris. On a le Christ en majesté, bien sûr. Il y a des feuilles d'acanthe, un côté classique de la décoration, bien sûr. Et on y voit les quatre évangélistes. Dans le tétramorphe, tétra, c'est quatre en grec. Donc en grec, le tétramorphe, c'est les quatre figures. Alors il y a les quatre évangélistes. On peut prendre aussi le thème du tétramorphe avec les quatre saisons, avec... on y retrouve beaucoup de symbolisme, de toute façon. Hein. Et il y a une phrase en vers, en latin. Alors je vais essayer de la relire, là. Je l'ai écrite parce que en vers, en latin, je ne sais pas le lire. En français, voilà ce qui est écrit. Et ça correspond bien à l'esprit de Maguelone. À ce havre de vie, vous qui avez soif, en franchissant ces portes, corrigez vos mœurs. Toi qui entres ici, pleure toujours tes fautes, quel que soit ton péché. Il est lavé par une fontaine de larmes. Et ça correspond bien aux larmes de la légende de Maguelone qui a perdu Pierre de Provence, qui pleure et qui passe sa vie à faire du bien et à pleurer pour laver son péché, parce qu'elle était partie avec Pierre de Provence. Ok. Alors, quand on regarde un peu de plus près le détail, on voit qu'on a un lion, je crois qu'il y a des ailes. Alors ça, c'est pas courant, des lions ailés, des griffons, des chimères. Mais là, le tétramorphe a été traduit de différentes façons. Il y a les quatre évangélistes qui sont Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc et Saint Matthieu. Et on attribue le lion à un ou à l'autre, c'est tout à fait, il y a de tradition, mais en fait c'est quand même fluctuant quelquefois. Hein. Alors pourquoi mettre des ailes à un lion alors? Parce que ça représente le côté éthéré, le côté, c'est pas un lion en chair et en os. Mmh. Et c'est curieux de retrouver le tétramorphe là, avec ce lion qui fait partie des quatre évangélistes. Et nous sommes quand même au cœur du golfe du Lion. Oui. C'est encore des petits clins d'œil, on peut dire. Alors, de chaque côté de l'entrée, on a Saint-Pierre, je crois, et de l'autre côté, Saint-Paul. Saint-Paul et Saint-Pierre. Voilà. Qu'on reconnaît à la coiffure. À la coiffure. D'après les... Alors, pourquoi le choix de ces deux apôtres du Christ, du coup? Parce que Saint-Pierre... Ça a été le premier évêque de Rome, le premier pape, le successeur de Jésus. Mais en réalité, c'est un Paul qui n'a pas connu Jésus et celui qui a fait la doctrine chrétienne. Une doctrine chrétienne, c'est là qu'on retrouve des éléments qui actuellement sont un peu controversés. Par exemple, si on retrouve le côté un peu misogyne de saint Paul. Et la chrétienté a été toujours assez misogyne. On voit que dans la chrétienté protestante, un pasteur se marie, il n'en est pas question, encore maintenant, dans l'Église catholique. Donc, on voit par exemple que la seule femme qui apparaît dans l'épopée, on peut dire, de Jésus-Christ, c'est Marie-Madeleine, c'est une pécheresse. Et là, de nouveau, les larmes, etc., tu vois. Bon. Donc une fois qu'on est rentré, on arrive au cœur de cette église romane où il y a un autel et il y a des spécificités à noter, je crois. Alors, il y a quelques marches, il y a un autel. Cet autel est au début donc du cœur. Et cet autel, traditionnellement, quelquefois quand il y a des travaux, ça n'y est pas, mais c'est rare, traditionnellement, sur l'autel, face au public qui arrive, il y a un crucifix. Et au pied de l'autel, il y a souvent
la plupart du temps même, un vase avec un bouquet de plumes de paon. Donc on a conservé le symbolisme des relations entre la chrétienté et le symbolisme des soufis. Mais il y a quelque chose de plus important encore par rapport à l'autel. Cet autel faisait qu'autrefois, le prêtre était tourné vers l'est, vers le soleil levant. Il avait les fidèles derrière lui. Et maintenant, c'est le contraire. Il tourne le dos à l'est et il a les fidèles devant lui. Alors, il y a quand même un grand symbole qui, pour moi, a été perdu. Quand le prêtre fait face à l'est, il tend les bras. Il reçoit toute la force du soleil levant. Il se retourne vers les fidèles, il a leur offre. Maintenant, il est face aux fidèles, il tend les bras, il prend rien, il leur offre. Pour moi, c'était quelque chose qui part un peu à contresens par rapport au symbolisme. Alors, quand on est derrière cet autel, on est pratiquement au sommet de l'îlot volcanique d'origine, et au-dessus, on a un grand dôme. On a un grand dôme, et on est au centre du dôme. Quand on est au centre du dôme, on reçoit, par tellurisme, toutes les vibrations de la terre, de cette terre vivante, qui est une terre avec quand même un côté volcanique. On reçoit ces vibrations. Et par en haut, on reçoit les vibrations cosmiques. Donc on est à un endroit de jonction du tellurique et du cosmique. C'est quand même un endroit important sur le plan vibratoire. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui, pour se renforcer, pour se fortifier en somme, vont à cet emplacement, font une genre de petite méditation, tendent les bras, et là, ils sont en train de se renforcer, de se fortifier avec les vibrations cosmiques et les vibrations telluriques. Et ça, beaucoup de gens le ressentent sur cet endroit-là, on peut dire, du cœur de l'église. Alors, cette église est pourvue d'un étage avec des escaliers assez bizarres. Qu'en est-il ? Oui, quand on est descendu du chœur, on va sur la droite et on a un escalier qui monte en droite ligne et qui est un peu particulier parce que les marches sont pas très hautes, mais elles sont très, très larges. Et la légende, ou peut-être la réalité historique, disait que d'une part, on pouvait y monter à cheval pour que le Seigneur puisse aller dans la tribune, et, ou l'évêque, bien sûr, et d'autre part, ça pouvait permettre de monter les chaises à porteurs, parce qu'il n'y a jamais de grande pente, l'escalier est très long. Et quand on arrivait, on va sur la gauche, on est dans la tribune qui est face à l'autel, bien sûr, et autrefois, je pense qu'on les a supprimés, il y avait des petits trous dans le sol. Et on expliquait que ces trous avaient les dimensions pour pouvoir fixer les chaises à porteurs. Puisque les prélats se prélassaient sur des chaises à porteurs. Donc nous avons, en montant l'escalier, une particularité qui restait très longtemps, il y a encore 5 ans ça y était, dans le mur, sur la gauche, presque en haut, il y avait une étoile, une coquille Saint-Jacques, qui était incrustée dans le mur. Et quand j'y suis allé il y a quelque temps encore, elle n'y est plus. Alors, est-ce qu'elle a été recouverte d'un badigeon avec des travaux ? Est-ce que quelqu'un l'a grattée, l'a récupérée ? Je ne sais pas. Mais c'était quand même intéressant de voir à cet endroit, quand on s'élève pour accéder à la tribune qui fait face à l'autel, d'être reçu par une coquille Saint-Jacques. Alors, ça veut dire que Maguelon était au programme du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle ou... Non, pas forcément. Non, mais la coquille Saint-Jacques, par Saint-Jacques de Compostelle, il y a toute une récupération. C'est-à-dire que, pour les alchimistes, la coquille Saint-Jacques était un instrument, quand ils voyageaient, qui leur servait de gobelet. Et quand il avait à puiser de l'eau pour boire, il laissait l'eau dans la coquille Saint-Jacques pendant un bon moment et l'eau se purifiait. Et actuellement,
dans l'étude des ondes de forme, par exemple, quand une pièce a des vibrations négatives en ondes de forme, on prend une coquille Saint-Jacques, on la remplit d'eau, on la met sous le lit, et pendant que l'eau s'évapore, la pièce devient normale. Voilà. Ah. Ça, c'était vraiment les qualités attribuées à la coquille Saint-Jacques. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est que les alchimistes avaient, à l'époque, on a retrouvé la tête de Saint-Jacques, donc tout le côté Saint-Jacques, qui était le patron, on peut dire, des magiciens, qui était le patron des magiciens. Quand on a retrouvé la tête de Saint-Jacques sur un bateau du côté, justement, de l'Atlantique, donc c'était les Pyrénées, eh bien, la barque qu'il a, dans laquelle on l'a retrouvée était incrustée de coquilles Saint-Jacques. C'est la légende aussi. Hein. Donc, les alchimistes avaient pour emblème cette coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire, quand on va à la faculté de médecine de Montpellier, on voit d'abord la liste des étudiants en médecine qui ont été des alchimistes célèbres, Arnaud de Villeneuve, etc. Et on a des coquilles Saint-Jacques partout, avec Saint-Roch, qui lui aussi a été de cette époque-là. Saint-Roch a été également représenté avec la coquille Saint-Jacques, comme Nostradamus, comme tous les autres. Donc à partir de là, ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme c'était Saint-Jacques, ça a été un pèlerinage chrétien, avec beaucoup de légendes, avec beaucoup de gens qui vont là-bas sans trop savoir vraiment le fond, on peut dire, spirituel de cette histoire-là. Mais en revanche, c'était le rendez-vous des alchimistes. Les alchimistes partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle et en route, ils se réunissaient, notamment à Léon. Et c'est à Léon que des alchimistes célèbres ont reçu le livre d'Abraham. Le livre d'Abraham, etc. Quoi. Alors, est-ce qu'on peut du coup en déduire que cette église où il y a déjà des symboles un peu alchimiques, parce que le lion ailé, ça peut être le soufre et le mercure aussi, ça peut être aussi d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire que cette église était un rendez-vous d'alchimistes aussi? Il y avait des... Ben, je crois que tout ce qui est aux alentours de Montpellier a été marqué par la culture alchimique, en somme. C'est un genre de tradition qui est resté, puisqu'on la retrouve encore à la faculté de médecine. À la faculté de médecine, on a des traces de l'alchimie partout. Et à côté de la faculté de médecine, c'est Henri IV qui a créé le jardin des plantes. Et les plantes étaient là pour les médecins qui travaillaient l'alchimie et qui faisaient la spagyrie. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans cette église, on a un grand jardin aussi. Et dans ce jardin, il y a des paons qui se promènent en liberté. On cultive des plantes aussi à Maglone, où il y a une tradition. Les paons, c'est différent. Oui, oui. Les paons qu'on retrouve dans tout le jardin de Maglone, les paons sont vraiment le souvenir des soufis. C'est le grand symbole des soufis. Et eux ont été longtemps sur le lieu, à l'époque des Visigoths, à l'époque des chrétiens, et ils ont laissé, en somme, leur empreinte avec le symbole du pan qui est conservé jusqu'à notre époque. Et les soufis, c'était donc, c'est un mouvement... Et... Alors les soufis, dans l'islam, étaient c'est un mouvement spirituel, voilà, oui. Qui était en Afrique du Nord, quoi. Hein. Et les soufis étaient un mouvement spirituel qui existait avant l'islam. C'est là que, dans les soufis, il y avait ceux qui tournaient. Ça, c'est très symbolique, c'est assez extraordinaire. Et ça a été repris ensuite en Turquie, notamment, où j'ai assisté à ces choses-là. En Syrie, il y en avait beaucoup, je les ai vus également. Et donc, les soufis ont laissé le souvenir de leur culture, mais comme ce souvenir de leur culture était un souvenir pacifique et positif, il a été conservé. Et maintenant encore, on a le souvenir des soufis par les paons vivants
toujours, il y a toujours des paons vivants dans les jardins de Maguelone, et puis les plumes de paon qui décorent souvent l'église. Oui, d'accord. Donc, pas vraiment de plantes aromatiques ou de plantes d'herboristerie, mais effectivement, là, ces animaux... Là, je ne suis pas compétent de ce côté-là, peut-être, mais là, je ne sais pas. Je peux te faire voir une petite statuette qui représente un danseur. Oui, allons-y. Pour évoquer le soufisme, effectivement, tu as quelque chose à nous montrer, alors, du coup. Oui, c'est une statuette qui représente un danseur et qui fait cette fameuse danse qu'on retrouve avec les derviches tourneurs qui tournent. Il y a toute une symbolique avec le mouvement de la terre, etc. Et il y a aussi le fait que pour tourner, il y a une façon de mettre les jambes et les pieds. Et puis de l'autre côté, on voit qu'ils prennent le côté on peut dire cosmique et les forces telluriques. Ils ont une main ouverte et l'autre main vers la terre. Et là, à partir de là, ils tournent et la silhouette est très bien faite avec ce mouvement de buste à l'arrière. Oui, donc c'est pas loin de quand on est au niveau de l'autel, effectivement, le lien entre les forces terrestres et les forces célestes. Exactement. C'est lié, effectivement. C'est encore le souvenir de ce lien cosmique tellurique. Alors, pour en terminer, on a beaucoup employé le mot effectivement cathédrale. On a parlé de cathédrale romane. Alors, peut-être préciser en quoi la symbolique de la cathédrale romane diverge de la symbolique de la cathédrale gothique, comme Notre-Dame de Paris, Chartres, enfin toutes les cathédrales qu'on connaît. C'est très, très, très différent. On dit plutôt église romane que cathédrale, d'ailleurs. L'église romane, elle a la particularité d'être basse, d'être sombre, et de permettre vraiment d'accéder à un profond recueillement. Dans une église sombre, basse, on a le profond recueillement, et on rentre en soi-même. Dans le côté roman, donc, les églises avaient cette particularité. Et après, il y a eu le gothique. Le gothique qui est arrivé notamment à l'époque des Templiers, avec les francs-maçons, les maçons affranchis, avec les Templiers donc, qui ont ramené des conceptions mathématiques et géométriques qui ont été certainement amenées du Moyen-Orient, qui ont été amenées d'Égypte ou de ces régions là-bas, et qui, au contraire, du recueillement, cherchent à élever l'âme vers Dieu. Élever l'âme vers Dieu, donc au lieu d'être concentré en soi-même, on fait rentrer la lumière, et la lumière divine. Alors ça, c'est le côté positif, en quelque sorte. Mais il y a aussi un côté prétentieux. L'être humain, au lieu de se concentrer dans sa petitesse pour prier, il va monter à Dieu, comme s'il allait le défier. C'est un peu le moment où on a la tour de Babel. On voit ce que ça a donné. Et à partir de l'époque gothique, on a abandonné le côté intime, très concentré de l'église romane. On a eu la cathédrale qui s'est levée toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Ce qui est quand même, peut-être, pour certains, le pendant de la tour de Babel, aller vers Dieu, non pas pour le recevoir, mais presque pour être à sa hauteur. C'est un peu prétentieux. Et alors moi, je fais un rapprochement. Quand les peuples d'il y a plusieurs milliers d'années construisaient un village, la plupart du temps, c'était en rez-de-chaussée, en bas. Et ils se retrouvaient là. Maintenant, les hommes montent plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On a vu ce qui est arrivé au building d'Amérique. Et actuellement, j'ai vu dernièrement que quelqu'un envisage, un architecte, de faire vraiment un bâtiment de 1000 mètres de hauteur, 1 km de hauteur. Donc, il est certain que ce n'est pas à l'échelle humaine. Et je crains que cette démonstration d'orgueil, de vanité, de monter aussi haut que le Créateur, je crains que ça, ce soit pas bon
pour notre civilisation. Mais plus dur sera la chute, comme on dit. Plus dur sera la chute, bien sûr. Représente pour toi cette église de Maguelone? Oh, l'église de Maguelone, pour moi, elle représente un lien avec des civilisations que nous ne connaissons pas, que nous connaissons mal, avec des temps qui étaient certainement plus évolués que ce qu'on croit, et qui ont planté à Maguelone, comme sur tout le golfe du Lion, qui ont planté nos racines. Dans nos racines, elles sont là. Et je pense qu'à travers les drames, les tragédies qu'a connu l'îlot de Maguelone avec les dévastations, les crimes, les destructions qui ont eu lieu, tout ça, ça représente un petit peu les civilisations qui n'arrivent pas à comprendre vraiment ce que peut être l'amour avec un grand A entre les peuples, entre les gens et entre, on peut dire, les périodes de l'histoire. Les soufis nous font, là, on en a parlé, un beau cadeau. Ils nous présentent un symbole qui est un symbole gentil, agréable, pas agressif, et qui est resté depuis 2000 ans vivant et que nous respectons. Souvent, les gens le respectent parce que c'est joli, c'est agréable, on ne sait pas trop pourquoi. Mais au fond de tout ça, il y a le symbole. Je crois beaucoup à la force des symboles, et Maguelone est un grand symbole. C'est le symbole de la possibilité d'entente entre les humains, c'est le symbole de la bêtise et de la haine des grands de ce monde, qui l'ont démoli plusieurs fois, et malgré tout, c'est toujours le côté, on peut dire, positif qui gagne. Bon, Maguelone n'est pas reconstruite, c'est pas un haut lieu de la chrétienté, mais Maguelone est toujours là, et je pense que c'est quelque chose qui nous rappelle la façon dont certains se sont comportés avec le positif, le négatif, et nous indique la voie à suivre. Merci pour ce beau message d'espoir.